ça marche plus. Jimmy Interpro, la 300. Oh, Fabrice, viens. Non, mais il est bon, tant qu'il n'y a pas les voitures. Couturier, Fabrice, il est devant. Il faut bien regarder le tour Joker. Hein. Parce que derrière, il y a Franck Cardonnière. Dommage que Frédéric Seigneur avec l'Axara ne prenne pas le tour Joker. Tour Joker pour la 200. 5 GTI de Guillaume Vaud, de Laurent Barrier. Laurent Barrier a pris le tour Joker. Voilà, Seigneur est revenu, mais c'est Ardonnière qui ne quitte plus maintenant Couturier. Couturier, Ardonnière, Barrier. Non. Si Franck Ardonnière prend le tour Joker au bon moment, il a gagné. Mais il faut le prendre au bon moment. Voilà, ça serait maintenant, ça serait bien. Et il le prend. Mais génial, il va pas être gêné en plus vu que des seigneurs le suivent. Allez Franck. Franck Cardonnière. Et voilà. Là maintenant il va falloir que devant il applique. Hein. Sinon. Fabrice Couturier. Voir revenir la Honda. Ah, il manque du moteur. Il manque du moteur. Et Franck Cardonnière, il s'en va maintenant. Il oublie Seigneur. Et nous arrivons dans le dernier tour. Ça peut être juste. Ou pour l'un ou pour l'autre. Cela peut être juste. Ou pour un ou pour l'autre. Lequel des deux va allez, Fabrice. Voilà, il prend le tour Joker. C'est le dernier tour. Couturier. Ah oui, Ardonnière est trop loin. Ah, quoique il arrive à faire. Allez, Fabrice. De lui, ça va se jouer pour Couturier, Ardonnière, ne verra que le marchand carrière de la 306. C'est dommage, il en a perdu. Hein. Bien, Fabrice. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais Fabrice Couturier, une victoire. Devant Franck Ardonnière, Frédéric Seigneur. C'est toujours c'est Barbier le plus rapide. Joseph Jouin, à l'extérieur Anthony Massé. Ah, c'est parti. Ça a mis longtemps à patiner sur la ligne de départ. Le nouveau goudron dont beaucoup de pilotes se sont fait quelque peu avoir lors des départs hier après-midi parce que ce goudron a beaucoup plus de grip. Il faut mettre plus de tours au moteur pour pouvoir démarrer. Massé a fait le tour Joker, il est bien redescendu sur le nez. Il va sortir en troisième position, juste derrière Eric François. Devant Eric François, il a quand même laissé partir. Voilà. Juste à la poursuite de Joseph Swan, au couloir du garage à vous. Eric François, sa nouvelle auto, pas Verissimo. Ah, il n'y a pas, il faut qu'il la prenne à la Clio. Qu'il apprenne à la Clio. Oh enfin, c'était limite, hein. Ils se fassent couper en deux. Ils se sont passés à quelques millimètres près. Et il revient. Anthony Massé, il ne commet pas d'erreur. Il est revenu sur la 306 de Joseph Choix. Lequel Joseph devra prendre le tour Joker. Et là, il repasse d'avant. Et le pilote de Chanois de .fr va gagner. Et François qui n'y voit plus rien, qui part avec la 306 verte derrière Joseph.
José Verissimo. Et le pilote Fossil d'Élan de Sport paye son tête à queue. Il n'y voit rien là, Marcel. Allez, pour être devant. Allez, Anthony Basset. C'est fait. Voilà. Il va passer devant tout le monde, sortir en tête et être le vainqueur de cette série, de cette deuxième manche éliminatoire. Le pilote Eagle. Anthony Massé. Ah là, il a pas le meilleur temps, 6e. Barbier, toujours le plus rapide. Barbier devant Bassali, Couturier et Ardonnière, qui est 4e. Si, si, Nicolas Botorel, ils ne le reverront plus. Une Xara, ça marche. Quand il pleut, quand la piste est humide, une Xara, ça marche. Par contre, soit la piste, elle est meilleure, et ça on le sait, quand il pleut beaucoup, que quand elle est comme cela, sans pluie. Parce que là, maintenant, ça devient de la gadoue, de la glace. Et on l'a vu, et que Barnier a le meilleur temps depuis longtemps. Ça, c'est ça. Ce matin de bonheur, c'est vrai. Botorel, Jaméas, Doria, Bezard, Sornier, Bezard, rien de plus. Ça va être mieux. Ça va Nicolas Botorel. Par contre, les canons qui sont loupés, les canons de la discipline arrivent dans les séries suivantes. Et là, on va accélérer beaucoup plus fort sur la ligne de départ. Sans savoir une fois, pas deux. Très jolie la bosse là-bas de Dorian. Nicolas Botorel, Sébastien Jaméas. C'est joli. Ouais. Mais que ça vienne là-bas, ça ne veut pas que ça vienne là-bas. Comme je suis un optimiste, je vais quand même vous dire de regarder ce qu'il y a en face de nous, c'est bien noir. Et ça ne fera que passer. Ça ne s'arrêtera pas ici. Et puis le vent vient de derrière nous. C'est du vent. Comme il a fait le tour joker, il n'a qu'à se laisser glisser jusqu'à la ligne d'arrivée.
cinquième. Superbe départ de David Vincent. Rouillard juste derrière lui. Vous voyez, je vous disais, regardez. L'homme de la C2, il ne lâchera pas. Et voilà, Bertrand Perronin est deuxième. Si Perronin prend le tour joker au bon moment, essaye de le faire. Joli, Johan. C'est un des meilleurs, Bertrand Perronin, sous la pluie, il est très vite. Allez, oh. Très très vite. Et il suit le rythme qu'impose maintenant David Vincent, le champion de France 2010, le vainqueur de Pierre Labour. Il a couru trois fois, je crois qu'il a gagné deux fois, en première et une fois deuxième. Tout le reste, il a cassé. Vincent, Perronin, Rouillard, Lafont et Sirène. Qu'on va tomber. Et... moi je le vois bien noir le ciel. Putain, il est dans la fond, on prend le joker pour le. Alors. Derrière et au-dessus, je le vois bien noir. Ah, les petits volets, les petits volets roses qui vont bien s'être faits. Mais ça fait que ça se fait. Aïe! Ouais, tous les deux! Ils arrivaient tous les deux. La France, Sirel, Rouillard. Et on le voit, la piste est plus mauvaise. Putain, elle est dans le queue la peau. C'est plus difficile à piloter maintenant que lorsqu'il pleut énormément. Ouais, ton joker pour. Prends le joker la peau, prends le joker. Ah, là, il a pris. Ouais, bien. Devant le pilote Eagle, Bertrand Perronin, il y aura Tyrell. Guillaume Rouillard, le pilote de Renoir, et toujours Barbier le plus rapide. Martine, je crois que dans 5 minutes tu vas mieux sentir la chaleur de mon corps sur un Vasali, Motorel, 5ème. En tout cas, lui qui avait pris une très belle deuxième place sur le circuit de l'essai dans la Manche, où le temps qu'on avait aujourd'hui, c'était le début du samedi. Après, ça ne s'est jamais arrêté. C'est ça qui est bien dans la Manche. C'est comme leur camembert, le Réau. C'est costaud, mais la vie est pendant. Et voilà. Allez Marco, Coudreau, il emmène sur Bastien Guillaumeau, Jean-Louis Duriel, Laurent Delmotte, Bob Cascadeur, et, voyons, c'est Michael Lenoir. Bon, les mecs, pourvu que je ne chope pas le courant avec tout ce truc électrique là, le reste, je trouve qu'on a bien les pieds sur du fer. C'est bien conducteur, c'est vrai, hein. Les conducteurs. Ah, des fois, je peux faire le quai quand vous dites qu'on va mener avec vous, c'est à l'abri, mais surtout ne venez pas aujourd'hui. On va apprendre même les trucs, les balèzes, les machins dans les trucs. Et devant, Coudreau, Durel, Coudreau, Durel, Guillaume, Delmas, Lenoir. Il y a quelqu'un qui doit rigoler, c'est à la veuve. La
ch'touille. C'est pour le queue, Alain, mais tu dois te marrer. Hein. Là, tu es en train de m'enfoncer les balettes de ton parapluie dans mon oreille. Allez, la bosse pour Marc Coudreau. Ici, Coudreau, il est devant et il va sortir devant, juste devant Durel. Je crois que Durel, si je ne me trompe, c'est une histoire de famille avec David Chelou. Un tour pour Sébastien Guillemot, pour Laurent Delmas. Le catcheur, il a un pare-brise nickel. Je sais que la voiture est neuve, mais alors il a mis le produit qu'il fallait, il n'a pas tué. Bon, tu me diras, lui, l'ancien catcheur, il transpire pas beaucoup à sa sport. La vétéré. C'est un pote à Gérard. Et la victoire de Coudreau de la tête et des épaules. Oh là là, Guillemot, il récupère la deuxième place au prix d'un freinage hyper tardif. Victoire. Il fait pas de soleil ici. Ne te fais pas de soucis, il ne fait pas de soleil. Tu cherches quoi? Et Monique Jagu est parti devant. Et regardez derrière. Quand je vous dis qu'on va y aller, la petite saxo. Sébastien Leferrand qui avait le deuxième temps hier. Hein. Manu, le pilote Yako dans Bruyères-les-Vallées s'en sort
pas mal. Par contre, devant, c'est Benjamin Godot qui a pris le devant, qui emmène Rudolf Schaeffer et qui emmène les trois Citroën sont devant avec Gauthier Lecor. Et là, il en pâtit. Hein. La voiture est plus longue, plus large. Il est sous la pluie. Ils en parlent les pilotes, hein. On le voit devant nous là avec le. Quand ils prennent ce courbe qui est difficile à prendre juste devant nous, donc on voit qu'elle ça ne veut pas tourner. Allez, il prend le tour joker, Schaeffer, il a raison. Schaeffer prend le tour joker en bon mouvement. Voilà, on va retomber là-bas de la botte. Toujours devant Benjamin Godot, le vainqueur de Châteauroux. L'an dernier, il aurait passé Schaeffer, mais là, comme il a le souvenir de l'an dernier où il détruisait la voiture, il est un peu plus calme. Benjamin Godot, le deuxième du championnat, provisoire. Oui, oui, oui. Gauthier Lecor, quand il va prendre le tour de joker, il finit en troisième. Que Benjamin Godot, lorsqu'il va le prendre, ouais, mais je disais, Benjamin Godot, lorsque Gauthier Lecor va prendre le tour joker, il est vraiment passé tous les deux. Emmanuel Hade, salut Cricri, ça va? Et il essaie, il perd du temps, moi qui est Rudolf Schaeffer à la limite, ça arrange Gauthier, hein, il perd du temps. Et voilà, tour joker pour la belle Clara. Benjamin Godot, allez, ça coule sous la pluie. Hein. Pour la pluie, voilà, il sortira en troisième, c'est bien ce que je disais. Victoire de Benjamin Godot devant Rudolf Schaeffer et Gauthier Lecor. Emmanuel Hade, hey, la troisième manche. Oh, c'est plus rapide. Oula, oui, cela nous donne donc au classement. Un peu le temps de respirer que hop, ils se sont envolés. Je vous le dis, on ne respirera pas parce qu'on va aller très très vite pour récupérer le temps que l'on est en train de perdre à cause de cette piste humide, difficile. Il n'avait pas eu de chance. L'homme du garage Barbieri, Christophe Barbieri, Cyril Bazzani, mange. Il porte les couleurs de Boris Vaillant. À Saint-Martel, le moniteur d'école de pilotage. Ah, Bazzani, Barbier. Oh! Comment tu vas? Comment vas-tu? Nous avons fait. Nous avons fait le rallye cross de l'essai, donc ça, c'est un petit choice. Voilà. C'est le soleil de l'essai ici, ça te pollue. Et Haute Salvia qui fait la bonne opération. Je vous l'ai dit que les femmes sous la peau. Oh, la glissade de. Oh, ça va que. Il a la vie juste à lui qui roule sur la glace, la Serre Chevalier. Le pilote aux couleurs de Maurice Saillant.
tous les deux étaient en panne. Et ouais, Grégory Boges, le roi qui était très bien hier, et Foss. Foss, allez vers lui, hein, dans le team Payet, la 206, qui roule avec l'association de la sclérose en plaques. Et parmi les sorts de mort, c'est les Britanniques. De la Peugeot Bouchard. Belle victoire de Barbier, le meilleur temps de sa première série de cette division 4 où ils sont 42 pilotes. La coupe est en départ. Barbier, Barbier,
pilote Maurice Vaillant. Couverture. Après, Bosse et Grégory Pain. Bon. Il y a le moniteur de glace là-bas avec. Grégory Pot, Grégory Pain. Ouais, il passe, joli. Ah, la Clio, le Grégory a supplanté l'autre Grégory. Et pendant. Bon, non, il y va, pas qu'à table. Voilà, bonjour. Voilà, il sort. Ça tient bien. Exactement. Faire attention.
compte à rendre de Carlabo. Mais seul le grand poids d'avis sur la victoire. Et qui sont là nos amis de Marat Automobile? Ils vendent des automobiles aussi. Ah, voilà, bien fait, voilà. Et non, t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que c'est pas des écuries françaises. Ils ont perdu ma cassette.
Merci Jérôme. Mickaël Lenouache. Ah mais Echo, ils reçoivent tous sur le nez là. Il doit passer. C'est pas grave, les couleurs qui sont sur le départ. Il s'est envolé.